Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors du coup comme vous avez pu voir je suis actuellement devant la maison avec mon fils Twitwi. Et aujourd'hui du coup on n'est pas là pour rien parce qu'aujourd'hui on va donc découvrir le tout nouveau coffre-fort secret. Donc c'est à dire voilà là, en quelque sorte la banque, enfin l'endroit où du coup Sirenhead cache tout son argent. Et donc du coup voilà ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va entrer dedans etc. Parce que du coup voilà Sirenhead il a expliqué comme quoi il avait apparemment un petit jeu à nous faire faire pour pouvoir découvrir du coup le code de son coffre-fort. Et puis après on va pouvoir y rentrer ensemble et peut-être découvrir du coup qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Bref, du coup voilà, juste avant que l'on commence la vidéo, je compte sur toi pour que tu la regardes jusqu'à la fin, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis dès maintenant n'hésitez pas aussi à pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube en mettant la cloche de notification. Et puis juste à côté voilà mettez un petit pouce bleu, c'est très important, ça me soutient énormément. Et puis du coup aujourd'hui on est avec Twitwi. Salut Twitwi, comment tu salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bah écoute moi ça va super. Bon, est-ce que Twitwi, est-ce que fiston t'as un petit défi d'abonnement et de pouce bleu pour tous nos copains et copines qui regardent la vidéo actuellement? Ouais. Oh, il faut liker et s'abonner avec le coude. Avec le coude. Ah, c'est à dire tous les gens qui regardent la vidéo là, ils vont devoir s'abonner et liker avec un gros coup de coude là. Et ouais, et une fois que c'est fait, ils devront dire en message qu'ils y sont arrivés. D'accord. Et bah écoute, voilà, le défi est noté. Ouais, et quoi d'autre? J'ai un truc super important à dire. Vas-y, on t'écoute tout de suite, dis-nous. Avec Lola, on a un serveur Discord. Alors, Bon, on la fera à la fin de la vidéo, d'accord? Donc voilà. Ok. Bon, en tout cas, vous avez pu l'entendre, les amis, le défi d'aujourd'hui, ça va tout simplement être très simple. Voilà, vous allez devoir tenter de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu avec votre coude. Merci à tous ceux qui le feront, parce que du coup, voilà, ça me soutient énormément. Et si vous arrivez à faire le défi, vous mettez dans les commentaires, j'ai réussi à faire le défi. Et puis merci du coup à tous. Et n'oubliez pas, très important, mais vous pouvez aussi devenir sponsor à la chaîne, voilà, en cliquant sur le bouton rejoindre. Alors voilà, évidemment, c'est un abonnement qui est payant, mais bon, grâce à l'argent que j'ai, etc., je peux construire plein de projets en rapport avec Minecraft ou pas forcément. Et donc du coup voilà ça me soutient beaucoup. Donc merci à tous ceux qui deviennent sponsors. Et en plus de ça vous êtes dédicacés à chaque début de vidéo. Donc si jamais il y a un sponsor dans la vidéo d'aujourd'hui, bah demain vous aurez une dédicace. Voilà, merci en tout cas à tous. Et puis du coup Twitwi, est-ce qu'on partirait pas du coup voir Sirenhead? Parce qu'aujourd'hui je t'ai expliqué la vidéo qu'on va faire aujourd'hui ou pas? Tu m'as pas vraiment expliqué, non? Bon, alors en gros je vais expliquer à toi et puis évidemment à tous les abonnés qui regardent la vidéo, donc du coup écoutez bien. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va partir voir Sirenhead, on va l'espionner rapidement etc. Et puis à mon avis il va aller se diriger vers un endroit un petit peu secret, une sorte de coffre-fort secret etc. Et en fait ce qui va se passer c'est que dès qu'il sera à l'intérieur, on va vite retourner à sa maison pour trouver le code. Parce que tu vois il y a une sorte de code secret qu'il faut retrouver. Donc du coup dès qu'il est dans le coffre-fort, on va dans sa maison, on va fouiller toute la maison et on va essayer de trouver quelque part où est-ce qu'il y a écrit le code. Et puis une fois qu'on aura le code, on entrera nous aussi dans le coffre-fort. Peut-être pourquoi pas, on ira voler des petites pièces, hein, ça pourrait être cool si jamais il y a de l'argent. Parce que, quand même, si jamais il y a un coffre-fort, ça voudrait dire qu'il y a sûrement de l'argent, tu vois. Oui, j'espère. Hein. Et bah donc du coup voilà, bon, et bah du coup ne quittez pas la vidéo, regardez-la bien jusqu'à la fin parce que peut-être qu'à la fin, et bah j'offrirai du coup un petit peu de l'argent de Sirenhead à l'un d'entre vous. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit peu d'argent, n'hésitez pas voilà dans les commentaires à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis super important, juste avant qu'on y aille, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma boutique de vêtements. Il y a un tas de t-shirts, de suites, de vêtements, bref, de coques de téléphone et tout plein d'autres choses qui sont disponibles sur la boutique. Voilà, vous avez juste à aller dans la description, il y a un lien avec écrit dessus, boutique de vêtements Twinner, voilà, vous pouvez retrouver plein de trucs sympas. Donc merci à tous ceux qui iront faire un tour. Et puis du coup, bah tout de suite, c'est parti, go. On va aller en direction, du coup, de la maison à Sirenhead. Alors je crois qu'elle est, en fait on peut y aller à pied. Donc on va y aller à pied même, donc du coup c'est parti. Alors bon, est-ce que t'es bon en escalade? Parce qu'il va falloir grimper un petit peu là. Ouais, tranquille, un peu. Attends, dis-moi, c'est quand la dernière fois que t'as fait de l'escalade? Parce que bon, là on va grimper quand même pas mal, hein. Je sais pas, c'est... T'inquiète, sur la PS4, je fais tout le temps de l'escalade et tout. Ah ouais, dans la PS4? Non, et moi je te parle dans la vraie vie, là, je te parle dans Minecraft, etc. Là, c'est quoi l'endroit que t'as escaladé? On y va comme ça, au talent. Allez, vas-y, on y va au talent, allez, let's go. Bon, écoutez, j'espère que Tutu, il va réussir à me suivre, parce que bon, c'est quand même assez galère, hein, les amis, l'escalade, hein, surtout que bah, lui, il est encore plus petit que moi. Allez, hop, ok, c'est bon, ça passe, voilà. Alors maintenant ici comment on fait? Ah, on passe par ici. Ça va, tu me suis? Ok, bon. Ouais, ça va, mais... J'ai l'impression qu'il se débrouille. Et bah voilà, c'est bon. On est arrivé à la hauteur. Nickel, parfait. Trop facile. Bon. Ah, en vrai, franchement, c'était facile. Ouais, t'as raison. Bon, et bah du coup maintenant, il n'y a plus qu'à espionner tranquillement Sirenhead. Enfin, à attendre qu'il sorte, etc. Pour qu'il se dirige du coup dans son coffre-fort secret pour qu'on découvre où est-ce qu'il est. Et puis une fois qu'on aura bien su où est-ce qu'il est, etc., on rentre vite à la maison, on cherche du coup le livre secret. Et puis on va du coup partir dans son coffre-fort pour lui voler son argent si possible. Voilà. Ah bon. Et bah du coup t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Allez, c'est parti, on va du coup rentrer dans la maison.
Ok, bon, les amis, il faut que je vous raconte une petite anecdote là. Alors à l'instant, du coup, voilà, j'ai fait une petite coupure dans la vidéo parce que voilà, il y a mon fils tout de suite qui est venu m'embrouiller, etc. Parce que il avait vraiment très peur. Voilà, il avait un petit peu les chocottes et donc du coup, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti très très vite. Il a dit ouais, papa, je veux plus jamais revoir Cyrenette, etc. Il me fait trop peur. Et donc du coup, bah là, il est reparti à la maison. Bon, et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir la mission tout seul parce que voilà, malheureusement, mon fils, il a trop peur. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre, voilà, vous envoyez un petit message, courage Tutui, c'est rien, etc. Voilà, je compte sur vous. Tout le monde met dans les commentaires un petit message en rapport avec mon fils. Voilà, vous mettez courage Tutui, bonne chance, etc. Nanana, parce que bon, le pauvre, il a peur, etc. Mais bon, voilà, maintenant, à partir de maintenant, on va pouvoir espionner Cyrenette. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir qu'il est, il est devant chez lui, ok. Et donc, à mon avis, il va se diriger vers le coffre-fort secret. Donc, hop, c'est parti. Il faut vraiment qu'on soit assez bien, il faut qu'on soit quand même assez bien camouflé. Alors du coup let's go, voilà, on va le suivre tranquillement. D'ailleurs vous l'avez entendu, hein, il a parlé encore une fois du coffre-fort. Donc bah c'est parfait, voilà, on va pouvoir y accéder très facilement. Allez c'est parti, on le suit tranquillement en espérant qu'il va droit devant, parce que sinon ça va pas être drôle. Mais à mon avis là franchement j'ai l'impression qu'il se dit, j'ai l'impression qu'il sait où est-ce qu'il va, vous voyez, j'ai l'impression qu'il sait qu'il va au coffre-fort. Donc on va le suivre quand même tranquillement, on sait jamais. Ok, alors là il est passé par ici. Hop, voilà. Ouf. Oula, ok, je me cache. Ok, bon, faut qu'on passe attention. Par mon endroit. Ok, on va passer par... On va, apparemment, on va passer par sa cachette un petit peu secrète. Ou son passage secret, je sais pas trop. What? Les potes, vous avez vu? Ah non. Mais non, ça, c'est pas le coffre-fort de mon... Ça c'était le coffre-fort de mon fils, ici. Ok, c'est vrai que le coffre-fort à Cyrenette, il doit pas être ici. Bon, on va continuer à le suivre. Normalement, peut-être que par ici, il va y avoir quelque chose... Oh. What? C'est quoi ce coffre-fort? Oh les gars, je crois que c'est le coffre-fort à Cyrenette. Oh, il y a des caméras et tout. Ok, bon, c'est forcément là-dedans qu'il y a quelque chose. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tendre mon oreille vers le truc coffre-fort. Peut-être qu'on va entendre un petit peu Cyrenette parler. Hop, c'est bon, j'ai tendu mon oreille. Est-ce que Cyrenette... Allez hop, on ouvre le coffre. Wow, les potes, mais voilà, c'est bon. Parfait. Nickel. Il y a trop d'argent là-dedans, j'adore. Il y a de l'argent. Oh, ok, bon, hop, c'est parti, je pars dans la maison à Cyrenette, voilà. Dormir, hein. Bon, vous l'avez entendu comme moi, les gars, apparemment, du coup, voilà, il y a Cyrenette qui est donc, du coup, dans son coffre-fort secret, et il y a aussi beaucoup d'argent. Et bah, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pendant qu'il est en train de dormir, parce qu'il a dit comme quoi il dormait actuellement. Alors, je sais pas pourquoi il dort dans son coffre-fort, mais bon, apparemment, il devait être un petit peu fatigué. Allez, let's go. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, je retourne vers la maison, on va essayer d'aller chercher des trucs, on va aller chercher plutôt une manière d'aller ouvrir ce coffre. À mon avis, il doit sûrement y avoir un code ou quelque chose comme ça, donc allez, c'est parti, tac, on va passer par ici, voilà, nickel, hop, on rentre là-dedans. Alors du coup, quand je suis arrivé, c'était un petit peu bizarre parce que Cyrenette, il a regardé vers ce coffre-là. Alors peut-être qu'il y a un truc, on va regarder vite fait, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien dans celui-là, bon, on va peut-être aller regarder dans sa chambre ou dans le salon, il y aura sûrement quelque chose à récupérer, un truc intéressant. Ok, bon, là apparemment pas de coffre encore une fois. On va regarder dans la chambre, j'espère que dans la chambre il y aura un coffre. Ok, bon, là on a même deux coffres carrément, donc du coup c'est parti, on va ouvrir le premier. Oh, Cyrenette. Ok, bon, on a un livre ici qui s'appelle Cyrenette. Ce qu'on va faire, c'est que du coup je vais l'ouvrir pour lire un petit peu qu'est-ce qui est écrit. Alors, tu veux entrer dans mon coffre-fort secret? Mouahahaha. Alors il va falloir que tu résous l'énigme suivante. Il y a un code secret caché dans la page d'après. Alors, réfléchis bien, c'est pas dur, t'as trouvé bien... Oula. Ok, bon, c'est un petit peu direct. Alors, à mon avis, il doit y avoir un coffre, il doit y avoir un code secret caché quelque part. Alors, si vous l'avez trouvé avant moi, écrivez-le dans les commentaires, parce que je crois qu'apparemment, il y a un code qui est caché là. Alors, attendez, je réfléchis vite fait. Si vous l'avez trouvé, en tout cas, dans les commentaires, écrivez bien évidemment à quel est le code secret. Alors, ah, mais attendez, mais pourquoi il y a des chiffres au début de chaque phrase? Ah, d'accord. À mon avis, alors... Évidemment, c'est que à mon avis, je pense que ça pourrait être ce code suivant là, le code qu'il y a là. Alors 5, 2, 9, 1, qui pourrait plutôt du coup correspondre au code de Cyrenette. Donc bah du coup c'est parti. Hop, on va descendre en bas. On va repartir en vitesse et on va aller au coffre-fort secret en espérant que du coup Cyrenette dort encore. Hein, parce que les amis, si Cyrenette dort encore, ça veut dire qu'on sera vraiment tranquille et que du coup je vais pouvoir lui voler un petit peu de son argent. Et pourquoi pas le partager avec un d'entre vous, les abonnés. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui participe au petit jeu qu'on fait aujourd'hui. Comme ça, bah peut-être que vous pourrez tenter de gagner un petit peu d'argent, etc. Évidemment, c'est de l'argent Minecraft, hein, je préfère vous le préciser quand même. Ok, hop, on passe par ici. Hop, on va passer par là. Voilà, regardez-moi ça, on est devant la base secrète à Cyrenette, devant le coffre secret à Cyrenette, pardon. Alors il y a des caméras, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va vite fait tirer parce que je crois que j'avais un petit pistolet sur moi. Alors où est-ce qu'il est mon pistolet? Ok, il est là.
Nickel, alors c'est parti, hop, on va tirer sur la première caméra. Voilà, nickel, la deuxième, c'est bon. Ok, bon, les deux caméras sont enlevées. On va tirer sur la troisième ici. Hop là, la quatrième, c'est bon. Bon, ouf, ça va, il n'y a plus de caméras. On est tranquille. Maintenant, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le code secret. Alors, si je dis pas de bêtises, ça devrait être 5291. Alors, on va essayer 5291. Ok, c'est bon, c'est le code. Mais what? Ok, bon. Les gars, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a bien le vrai, le véritable, l'unique sirénette qui est devant moi, comme vous avez pu le voir. Alors bon, je sais pas si je le réveille, je sais pas si je lui dis quoi que ce soit ou quoi, mais franchement, il me fait vraiment peur. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer quelques lingots d'or. Hop, 5, 2, 9, 1. Voilà, on va récupérer un max de lingots d'or et les mettre dehors. Voilà, tac, hop, vite, faut qu'on remette le code. Voilà, il faut vraiment qu'on récupère un max de lingots d'or. Voilà. Tac. Bon, on va récupérer tous les lingots d'or qui apparaissent ici, comme ça, et bah du coup après je vais tous les faire sortir. J'ai bien réveillé. Oula, vite. J'ai bien dormi, pardon. Hop là, faut que je mette le code, tac tac tac. Ah, il manque des lingots là. Oula, oula les potes. Il manque des lingots là. Oula, oh oh. Ok, il bon, manque les gars, je crois qu'il y a la sirénette qui m'a cramé. Oh les amis, si vous... Si... Ouah. Si jamais il se rend compte qu'il n'y a plus les... il y a plus les caméras de sécurité, etc., je pense qu'il va être rapidement en colère. Ok, bon, moi c'est bon, je suis un petit peu caché, bah, alors, je vais me cacher un petit peu quand même, voilà, pour être sûr qu'il me voit pas. Ok, c'est bon. Les caméras où? C'est bon, je suis caché les potes. Voilà, il devrait pas trop me voir normalement. What? Les gars, il est en train de péter un plomb, les gars, regardez-moi ça, il tire partout. Qui okay. A volé mon argent? Oh, les potes, ok, bon, eh, les gars... Sirénette, il est totalement énervé contre moi. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Oh, attends, mais il m'a vu ou quoi? Je t'ai vu. Oh, il m'a vu. Il m'a vu les potes. Ok, bon, les potes, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le semer. Parce que là, les gars, je crois qu'il va... il est vraiment très très en colère contre moi. Donc ce qu'on fait, les potes, c'est que je vais le semer tranquillement. Et puis du coup, hop, voilà, c'est bon. Je suis caché, normalement, ici, ça devrait plutôt être pas mal. En plus, je crois que Sirénette, il sait pas trop nager. Donc c'est nickel. Ok, bon. Écoutez les potes, voilà, ça a été vraiment une vidéo de dingue, ça a été du grand n'importe quoi aujourd'hui. En tout cas, voilà, si la vidéo t'a plu dès maintenant, n'hésite pas, pourquoi pas, t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, comme ça, tu ne louperas plus aucune de mes vidéos, surtout que voilà, j'en fais une chaque jour, c'est super important. Et puis dès maintenant, n'hésite pas, pourquoi pas mettre aussi un petit pouce bleu. Ce qu'on fait les potes, c'est que si jamais il y a 5000 pouces bleus sous cette vidéo, et ben je ferai une partie 2, du coup, on essaiera de se venger un petit peu de Sirénette, pourquoi pas même de le tuer, etc. Donc du coup voilà, sur ce en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.